Salut à tous. Donc, pour la petite histoire, il y a 3 semaines, j'ai claqué 430 euros dans une nouvelle GoPro, la GoPro 7 Hero Black. Et franchement, c'est un super jouet. Et donc, je me suis dit, je vais en profiter pour faire une petite série de vlogs. Et sur mes différents apprentissages, mes expériences d'apprentissage, parce que je suis un éternel débutant dans toutes les disciplines. Et donc, ça va aller du kitefoil, il y aura peut-être du windsurf, il y aura de la pirogue, il y aura du foil, du paddle. Et donc je vais essayer de raconter tout ça, j'embarquerai la vidéo et je commenterai en direct mes ressentis, mes expériences. N'hésitez pas, si vous en faites mieux que moi, à commenter. Si vous voyez que je fais des conneries, à dire quelle bêtise je fais. Et si vous vous retrouvez dans les mêmes situations que moi, n'hésitez pas à commenter aussi. Et puis comme ça, on en discute et on apprend tous ensemble. Donc voilà, là c'est parti. Je vais gonfler mon aile. Je vais y aller en kitefoil. Et expérience de les premiers jibes en kitefoil. J'en ai déjà passé un ou deux, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, belle opportunité pour entamer ces vlogs. Allez, ciao, à tout de suite. Ça c'est fait. En fait, il n'y a pas énorme de vent. C'est hyper irrégulier. Par contre, il y a le soleil qui est revenu, c'est sa caillette tout à l'heure. Donc ça c'est cool. Donc allez gros, c'est parti. C'est complètement onshore. Yes. C'était hyper chaud quoi. Le décollage là, j'ai raclé un peu le foil au fond et en plus c'est l'autre qui était devant. Ah. En fait ça a l'air, le vent c'est les rafales, il a l'air d'avoir un peu plus. En fait c'est vraiment vraiment light quoi. Mais bon là je suis calé. Ah, je suis même pas si calé que ça, il va falloir que je renvoie. Putain. Ah c'est light hein, les gars. Hop, j'étais vachement frais aussi. Ah. Ça sent la marche à pied tout à l'heure ça. Ah putain, c'est hyper light. J'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de vent quoi. J'avais peur d'être à la rue, en fait. Hop, on lance un coup. Puis je veux pas m'approcher trop du bord parce qu'après pour repartir, ça va être chiant à nouveau. Quoi. Allez, on va tenter un jibe. Je suis bien toilé d'un coup là. Là je vais tenter le jibe mais il y a l'autre en planche et il y a le remous du port. Ah ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit coup de kitefoil là. Ça y est gros, on va se faire une petite tentative. Là, si on y va doucement. Ah, de toute façon j'ai posé l'échange de pied. Hop, et je tourne. Et merde. Ah putain la douce. Ah c'est ça que je voulais. J'espère que ça décolle bien. Allez putain. Regarde.
merde. Ah putain. Putain. N'importe quoi, je pense que j'ai merdé, mais j'ai pas été au top là. Du coup on va faire hyper gaffe parce que là ça va partir de la plage, mais à d'autres endroits là, c'est du caillou quoi. Ça j'ai crevé. J'ai fait n'importe quoi, j'ai laissé partir ma planche. Bon allez, deuxième tentative. C'est bien pareil. Ah, c'est hyper light. Allez. Sans trop de problèmes, on va faire gaffe dans les manœuvres maintenant. On va rester loin des, rochers. Je sais pas si vous y voyez quelque chose là, derrière. J'ai mis grand angle. Hop, dès que je me déconcentre là, ça, c'est pas calé comme vent quoi. Voilà. Hop. Voilà. Putain, n'importe quoi. Allez, on va faire un petit jibe. De toute façon, j'ai pas le choix. Tu vois, faut tourner. Donc, je vais jiber. Hop, lève mon aile. Merde. Hop, je suis déséquilibré. Ah, on va. Bon, l'important, c'est de pas se voter. Hop, gardez l'aile en l'air. Voilà. Vidéo en foil pour voir comment je me démerde avec les jibes. C'est pas gagné là, genre les... quand c'est plat j'arrive un peu mieux, et là avec le clapot et tout j'arrive pas du tout, donc ça va être assez instructif comme vidéo hein. Ça vole tranquillou, donc je sais même pas comment y prendre, personne derrière. Je vais essayer de pas me vautrer parce que tout à l'heure c'était vraiment la loose quoi. Hop. Donc ce que je fais, c'est j'essaie juste de faire le demi-tour à la planche sans me vautrer. Donc je vais poser, je pose, je switch et caillou. Allez. Facile de parler hein, avec la vidéo. Je sais pas comment ils font la lab Rosenkalt et compagnie, parce que moi j'ai vachement plus de mal. Bon, je pense qu'ils sont vachement meilleurs que moi avec le cerf-volant aussi. Hop. Putain, là y'a rien du tout là. Je suis sur le foch et ça me rappelle quand je suis en surf là. Voilà. Obligé de pomper, sauf que là de ce côté là je sais pas trop pomper avec les pieds, je parle, donc pas facile. Putain, mais y'a rien dans l'aile. D'ailleurs, je disais ça sentait la nage, je pensais pas que ça, que j'allais nager deux fois de suite, mais peut-être que je vais quand même nager deux fois de suite aujourd'hui. Voilà. Ah putain. Ah, c'est light, light, light. Hein. Ah, j'ai rien dans l'aile. Ah, si je fais tomber mon aile, c'est gagné quoi. Thank you.
Ouais, en fait, l'autre jour, j'avais appris, maintenant je m'en rappelle, pour une jaille, il fait que je recule mon pied avant. Parce que vu que j'ai pas de frein, j'ai pas de repère, je suis dans un repère vachement avancé. Donc là, on va essayer, je vais le reculer à l'endroit où normalement j'aurais des straps. Donc c'est pas hyper confortable, si j'ai un foil qui porte. On va essayer. Donc pareil que tout à l'heure, hop. Oh merde! Ah, c'est trop fort pour tout de suite. Allez, hop. Allez. Ça c'est chaud. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a failli tomber. Elle décrochait. J'ai juste pu envoyer un petit loop. C'était reparti. J'arrive pas du tout, je sais vraiment pas comment faire. Je me suis souvenu qu'il fallait que je recule un peu mon pied avant, je crois que c'est ça. Il est hyper avancé là sur la planche comme vous voyez, par rapport à s'il a des straps. Mais c'est dû à mon gros foil. Parce que j'ai mon foil de surf là. Donc il y a vachement de portance par rapport à un petit foil de kite. Donc allez go là, on va réessayer. Je vais aller tranquille. Hop, je recule mes pieds. J'aurais bien même pas le faire en l'air, mais juste pas tomber quoi. Alors, je recule mes pieds, je commence le jibe. Voilà. Yes! Yeehi! Ah, c'est gagné. Par contre, j'ai les pieds n'importe comment. Là. Et... C'est parti. Allez, j'envoie. Ouh. Et des fois j'ai envie de dire quand même vive les straps. Hein. Putain, je me fais chier avec pas de straps des fois. C'est rigolo mais... Des fois je me fais chier avec les straps parce que je me prends les pieds dedans. On se fait pour en même temps. Mais... Des fois sans strap, putain, c'est galère aussi les water start. Quand j'en fais 15 à la suite comme ça. Là. Bon allez, encore une petite tentative de jibe les copains. Là. On va y aller. Donc je recule mon pied avant. Voilà. Faites jabba un peu, tard, je l'avais pas abattu. J'abats un peu, je monte mon aile. Allez, je switch. Hop. Et voilà, putain, c'est beau ça. Voilà, tout en douceur. Putain, génial. Moi, bon, il était pas en volant, hein. J'ai touché l'eau. Mais putain, ça fait plaisir de pas se mouiller quand même. Hop, là, il faut que je lâche ma barre, remettre les lignes, que je m'embrouille pas. Ah, c'est parti. Putain, hyper content là.